on est dans la partie 2 de ce défi du tirage classique, donc c'est pour ceux qui ont vu la dernière vidéo. Donc voilà, donc j'ai perdu deux fois, j'ai gagné deux fois, donc c'est fait 6 games. Donc là on devrait en faire plus, logiquement, je pense. Ah non, on a fait 4 games, pardon. On prend la tour à bombe, donc là ça sent le gros deck spawn de son côté. Donc là ça va être un deck défense, il m'a donné mineur feu à gobelin, un truc comme ça. Bien, mais là j'espère qu'il a pas pris fournaise tout ça parce qu'il va jouer le gros deck spawn et toutes les casernes et ça va relativement me saouler. Ok, donc nous jouons contre un Shintok. Ok, donc là on va gratter à la française parce que après je pense qu'on va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Voilà, ça c'est le gros deck spawn avec toutes les casernes là, tout. Ok, donc là il a utilisé ses flèches, donc ça c'est parfait. Ok, il joue la cabane de barbare. Je pense pas que c'était la meilleure idée que j'avais eu ma Valkyrie, mais après, c'est lui qui choisit. Est-ce que j'économise de l'élixir? Ouais, j'ai mieux fait. J'ai bien fait d'économiser de l'élixir. On va tout shooter. Pain, pain. Ok, ça c'est pas mal. Donc là, on gratte plutôt pas mal. On a l'extracteur. Donc là, on a l'extracteur. Heureusement qu'il l'a pas, l'extracteur, parce qu'il aurait pu faire très très mal, encore une fois. Donc là les gars, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, donc là je suis sur ma tablette, mon iPad, j'ai des logiciels de rec. Alors pour ceux qui ont des logiciels de rec pour PC, n'hésitez pas à me les proposer, ça me ferait plaisir parce que j'ai un PC mais où j'ai des comptes Clash Royale, mais il n'y a aucune application. Enfin si, en fait elles sont compatibles, mais le problème c'est qu'elles ne marchent pas. Airchou, j'ai pas compris comment ça marchait. Après j'ai testé des applications mais bon, la caméra ou je sais pas quoi là, Mobizen ça marche pas, enfin ça marche et ça marche pas en fait, ça met des trucs et puis ça marche pas et puis blabla, donc bref, donc n'hésitez pas à me proposer des logiciels de rec. Donc Ascreen Recorder par contre n'est pas compatible sur PC, hein. Je vous le dis pour ceux qui le savent pas. Ok, là on va essayer de foudre toutes ces casernes, à mon avis il va prendre très cher si je les foudre. Ok, donc là on a un extracteur, on va en poser un deuxième et là on va le foutre en PLS. Logiquement, ok, là on foudre tout et là c'est parfaitement bien foudré. Ok les gars, on pose un deuxième extracteur je pense. Ok, là on pose un deuxième extracteur et là il va être légèrement en PLS parce que deux extracteurs en extra time ça fait très très mal. C'est presque, je vais pas dire invincible mais presque en fait. Et là les gars on part en méga push. Alors il a la TDE. Il a la T2, alors il va falloir choisir faire un choix. Qu'est-ce que je foudre? Moi pour moi c'est les deux casernes, il faut que je foudre. Ok, parfait les gars, parfait. On repose un extracteur. Pour lui faire très très mal. Le problème c'est que sa T2 elle est pas morte quoi. Et ça me saoule en fait. Ok, le prince. Ça, on peut mettre comme ça. La Valkyrie qui va crever. Et ça va me faire très très mal. En vrai, ça, ouais. Alors, il va mettre ses flèches, je pense. Ça va être trop tard, trop tard. Ouais, voilà. Bien joué, c'est beaucoup trop tard, mec, pour mettre tes flèches. Mets pas ta TDE, s'il te plaît. Ok, il m'a fait plaisir, il l'a pas mise. Ok, les gars, on part en petit push. Vraiment petit, parce que... Ok, il a pas les flèches. Il les a pas tout de suite. Ah, purée. Ok, on gratte, on gratte, on gratte. J'attends qu'il mette une autre caserne en fait. Allez, va dessus toi. Ok, là il est en train de préparer ses flèches. Donc je vais essayer de le surprendre. Ok, parfait. Parfait, parfait, parfait. J'attends qu'il mette sa deuxième caserne en fait. Mets ta caserne. Voilà, parfait, parfait. Ok, parfait. Allez, 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 allez. Moi je vise le perfect là. Je veux tout défoncer là. À mon avis, deux sorts de foudre et ça devrait le faire. Donc là, le gars sait qu'il est en PLS. Donc on va remettre une tour à bombe. Et là, on va faire défense, défense, défense. Le prince ténébreux en défense. Le sorcier. Le foudre qui doit être très bien joué. Parce que sinon, ça peut faire très très mal. Ok. Ok, d'accord. 240 points de vie. Je pense qu'un dernier foudre sera largement suffisant. Ok, on remet un extracteur. Attention. Attention au retour de l'adversaire, peut-être. Une princesse. Ou alors là, il sait qu'il est mort. Je crois qu'après le sorcier, il y a la foudre. Si, ça ne tue pas. Mais alors là, je suis PLS de ouf. Là. Les gars, pitié que ça le tue.
C'est bon les gars, victoire, victoire, victoire. 5 minutes quand même pour une victoire, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, donc désolé pour le temps. Voilà, 3 plus 3, donc on est à 3 victoires. C'est très très faible encore les gars. Mon record c'est là-dessus, ça devait être 9, 10 peut-être. Ok, foudre. Esprit de glace en Ulysse, ça fait très mal mon Ulysse. Bûche. Sorcier, le sorcier qui est très très bien, franchement quand il est bien évolué, il joue bien, il peut faire très très mal. Ok les gars, on a un petit deck de grattage là je pense. Est-ce qu'il nous a donné un tank là, genre un géant, un truc? J'espère parce que sinon, le problème c'est que là je peux pas trop voir. Alors, est-ce qu'il nous a donné un truc? Il nous a donné le prince. Ok, d'accord. D'accord, moi je dis pourquoi pas, hein, à tester, à voir. Oh non! Non, je l'ai mis trop derrière le prince là. J'ai fait n'importe quoi là. Mais what, je fais n'importe quoi. Mais what, je fais n'importe quoi là. Mais qu'est-ce que je fais? Oh parfait la bûche. Parfait, ok c'est bon. La tour qui tombe. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait pas tomber. Est-ce qu'on joue le sorcier? Hé, hey, les gars, on prend très cher. On va prendre super cher. En vrai, on va prendre... Oh non, non, légalisation. Légalisation, le retour de l'adversaire. Ah là 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 là. Je savais pas comment défendre et je pensais pas qu'il pouvait mettre autant de troupes. Oh là 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 là, il enchaîne. Il a totalement raison, je pense, d'enchaîner. Sauf que les gars, là, c'est nous qui allons prendre très très cher, en vrai. La bûche qui vient nous sauver. Et non, défaite. J'ai très très mal joué. C'est de ma faute. Donc bref, les gars... La prochaine fois qu'il y aura un défi du tirage, on fera sûrement un super défi tirage. Ok, donc on a déjà perdu, ce qui est vraiment dommage. On a déjà perdu, c'est tout pourri. On a perdu, je suis dégoûté. Ce petit coffre à 8 cartes, possible d'avoir des légendaires, mais non. 4 électro et non. Ok, d'accord, 4 mortiers, d'accord. Alors les gars, on va peut-être se faire des games juste comme ça. Ok, donc là, nous jouons contre personne. Pour l'instant, il n'y a personne qui joue. Il n'y a personne. Ok, enfin quelqu'un. D'accord, que je ne connais pas, hein, bien sûr. Un niveau 9, ok, donc ça, c'est un peu équilibré. Donc là, n'hésitez pas à copier mon deck avec ce deck-là. J'utilise ce deck-là sur mon gros compte. Et franchement, il fait mal parce que je monte arène légendaire avec ce deck. Donc franchement, si j'arrive à monter arène légendaire avec ça, c'est qu'il doit faire mal. Ah non, le mini PK qui va se faire shooter deux fois, ok d'accord. Donc c'est un deck golem donc qui est très très fort en extra time. Ou alors si vous voulez faire encore plus mal, vous changez le feu à gobelin par un cimetière si vous l'avez. Perso, je l'ai pas fait parce que ça coûte un peu cher quand même, hein. Faut pas. Hein. Et que moi les decks chers, c'est pas mon truc. Je sais pas trop comment les jouer. Ok, le feu à gobelin. Ok, d'accord. Bon bah là pour l'instant on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, même si on en ferait quand même très cher. Hein, faut pas... Donc là, j'attends qu'il joue son prince, en fait. Oh, princesse, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, c'est pour gratter, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok, bébé dragon, qui normalement devrait rattraper les dégâts qu'on a perdus. Et là, du coup, je vais pas mettre... Ok, le zap fail. Ah, c'est un peu derrière, je pense. Est-ce que... Qu'est-ce qu'il a... Comment il l'a défendu tout à l'heure? Ok, d'accord. Bon, là, je pense pas que ce soit... C'était la meilleure solution. Après, voilà. Hein. Alors là, la PLS. Là, pour le coup, ouais, c'est un peu PLS, là. Allez, cagoule. Non. Ouf, c'est bon. On arrive à s'en sortir. 400 points de vie, ça ne... Ouais, 400 points de vie, allez. Ça serait juste énorme de gagner un gros coffre en live comme ça. Mais bon, ça n'arrive pas tous les jours, hein. Ah, il me repasse devant, dégâts. Et là, regardez, moment extra time. Purée, il me saoule, lui, là. Eh, sérieux, là, à chaque fois que je vais mettre mon golem, là, il met que des troupes pour défendre. Non. Ouf. Mec, tu mets que des troupes pour défendre. Ça, c'est mal joué, par contre, de sa part. Ça, c'est très, très mal joué. Ça peut lui coûter la défaite. Pas la vie, mais la défaite. Parce que là, à mon avis, il va essayer d'attaquer de là-bas. Genre à la princesse. Oh non, non, j'ai oublié qu'il avait que les deux. Mais quel imbécile! Oh là 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 là. Alors là, là 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 là. Et là, du coup, les gars, regardez comment on peut mettre tellement de troupes. Ce qui peut faire tellement mal, en vrai.
Là, on va juste mettre tes esprits de feu. Waouh, pan. Ok, la T2 qui va crever. Et là, les gars, regardez, regardez comment ça. Mais what? Mais il a déjà sa T2, lui. Ok, donc là, les gars, franchement, d'accord. On va prendre quand même un peu cher, je l'avoue. Mais regardez, regardez les dégâts qu'on peut lui mettre. Le bouliste. Ok, oh, regardez comment. Oh, la mousquetaire. La mousquetaire, c'est pas beau, ça. Alors là, il va mettre son prince, je pense. Voilà. Ça, c'était prévisible, hein. Très, très prévisible, même, je pense. Alors là, le mini P.K. sur le bouliste. Pour pas qu'il aille shooter notre tour du roi. Enfin, notre tour du roi, qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi, comme d'habitude. Et là, regardez, le feu à gobelin. Le feu à gobelin, incroyable, comme d'habitude. Ok, et là, regardez, la tornade, qui est pas fail, mais qui... Bah, il s'y attendait pas à ce que je joue ça. Et là, c'est fini, les gars. Je mets ma boule de feu. Là, je pense que... Ça va pas finir à... Ah, si. Ok, les gars, on se fait une petite victoire. Quel coffre allons-nous gagner? Allez, un bon coffre, un bon coffre. D'accord. Tu veux jouer à ça? Donc on a un petit coffre épique qu'on n'ouvrira pas. On attend pour un super pack opening. Et on sort, je propose qu'on s'en fasse une. Parce que vous voyez, c'est dans l'extra time que vous pouvez être super fort avec ce deck. Donc les gars, voilà. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos parce que j'ai beaucoup d'effets du tirage. Donc là, on va tenter un truc qui sert strictement à rien. Parce que s'il me met quelque chose. Voilà. Ah mais non. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Ça a quand même fait un peu. Ça a quand même... Et du coup, il a utilisé 6 élixirs par rapport à moi qui en ai utilisé. Donc là, normalement, logiquement, il devrait être à. Là, il devrait être à 9 élixirs. Ok, 10 élixirs, voilà, c'était évident. Alors, je sais pas si boule de feu, c'est la meilleure solution pour shooter une princesse. Mais comme j'utilise pas la bûche. Enfin, pas forcément la bûche. Ah, puis. Oh non, 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 allez, un petit coup de mini PK quand même. Oh, purée. Ok. Alors, il y en a qui jouent quand même dans le clan. Ok. N'hésitez pas. Enfin, pour rejoindre le clan, il faut vraiment être très actif au niveau des couronnes. Parce que les gars nous. What? What? Barbare d'élite niveau 11? Mais what? Mais c'est. Mais non, mais. Non, mais ça se fait pas ça. Mais barbare d'élite niveau 11? Je fais quoi moi? Je peux pas défendre. Niveau 11, quoi. Mais d'accord, mais alors. Mais c'est mission impossible là qui demande. Là, à mon avis, il va vouloir gratter à la princesse. Est-ce que j'ai de shot à TD? Je pense pas. En fait, j'ai peur qu'il mette sa princesse là. J'avoue que je suis pas rassurée. D'accord, voilà, ça c'était logique. D'accord, donc là, il nous shoot à la TD, ce qui est logique. Et là, en fait, je pense qu'il va mettre ses barbardites et du coup que je vais crever. J'ai la boule de feu en réserve, les gars. Ok, voilà, ça c'était. C'était ça. What? Mais non! Mais non, mais. Mais what the cut? Comment je me suis encore fail? Mais ça va rester comme ça longtemps, là? Le fail de ouf, là? Et ça fait deux fois, là, franchement, ça commence à. Ça commence à un peu m'agacer, mais vraiment juste un peu, hein. Allez, 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 on enchaîne. Oh, il a la boule de feu, je crois. Purée de fail de. Ok, là, il a pas le temps de mettre son. Faut que je dise un truc, là. Tout le monde. Boum, on headshot s'il met un truc. Ok. Ah, mais vas-y, ça met 50 ans à tuer un truc. Bon, bah là, c'est fini. Et allez, les barbares d'élite qui sont joués. Ok, le feu à gobelin, dernier espoir. Mais c'est mort, les gars, donc on s'est fait quand même une game. Une victoire, hein. On peut, voilà, ça arrive pas souvent de faire autant de victoires. J'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis salut, à plus.